Eh bien, c'est deux amis, c'est Archie, comment ça va? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, amis, on est parti pour découvrir la nouvelle map Liberty Fall. Donc on a déjà fait la découverte et le secret, et la découverte également du début du secret du côté de la map Terminus. Donc je vous invite à aller la checker, il y a la vidéo disponible. Je vous rappelle que vous avez également en description le site Deal Up qui référence tous les cadeaux et récompenses gratuites sur Black Ops 6 et sur Warzone également. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, bien évidemment, vous avez le lien en description. Vous avez également des guides secrets, des guides sur la map, donc n'hésitez pas. Alors on est parti, on est déjà à la manche 2, ça passe très très vite la manche, donc ça c'est plutôt cool. Ok, on arrive donc à Liberty Fall où on va pouvoir aller faire le début donc de des petites missions qui nous sont proposées. Il y en a quand même pas mal ici, hein, des petites missions, fouiller la ville, donc faudra aller aux quatre coins. J'ai 1100, ça coûte combien la porte? 1500, et là bon, ça doit coûter le même prix, c'est même pas là qu'on ouvre. Ok, alors en vrai c'est pas forcément le bon bail d'avoir ouvert. Enfin, d'être descendu aussitôt. Hop. C'est les mêmes zombies? Ah ouais, c'est... Bah attends, c'est tous les mêmes zombies? C'est quoi ce délire? Ils sont assez agressifs, ils se font assez mal. Bon, après, en réalité, on croit que les dégâts sont énormes. En réalité, pas tant que ça. Mais même s'ils font quand même très très mal. En réalité, franchement, les baffes, elles vont très très vite. C'est quoi? C'est... armure, ok, très bien. On va prendre un petit peu de shield. Bon, ça ne sert pas à grand chose actuellement, mais ok, nickel. Allez, on enchaîne. On a assez de points pour aller ouvrir. On va commencer à ouvrir ici. On va voir un petit peu où ça nous amène. Ici, la petite établie. Ok, le bowling. Le fameux bowling. Ok, on a les machines. Non, ok, on a ça. Pas mal de petites choses ici. On regarde. Je crois qu'il y avait du secret par là, de mémoire. Il y avait du secret par ici, je crois. Non, pas du tout. On explore un petit peu, on regarde un petit peu ce qu'il en est. On va pas aller partir. Le secret, on en reparlera un peu après, bien évidemment. Mais pour l'instant, on fait la découverte complète. Et après... Attends, mais on est en manche 3, ok. Faut que je fasse gaffe. Ok. Hop. Apparemment, on pouvait jouer au bowling aussi au passage de ce qu'on avait pu voir dans l'alpha, enfin dans les tests qui ont été faits à simplement à LA, si je me trompe pas. Hop, allez, on enchaîne ici tout le monde. Double point. On est en fin de manche. Ok. Oh, la boîte, parfait. La boîte elle est là. Allez, première boîte sur Liberty Fall. Qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir? Attends, qu'est-ce que c'est? Ok, du molotov. Ah non, même pas. Ok, génial. Ah bah, génial. Ça fait toujours plaisir, ça. Ah, je ne vois pas mon arme. Très bien. Intéressant. Ah, je vois plus du tout mon arme. Ok, si celle-là, on la voit. Ok, bon, on va pas... Ok, si là, je la vois. Ok, c'est bon. Là, on la voit. Ok, très bien. Non, fais pas ça. Fais pas ça. Tire pas n'importe comment. On va faire du point ici, tranquillement. Ok, parfait. En réalité, on en trouve une utilité. Hop là, on a du double XP, donc on va en profiter. On prend des dégâts, mais c'est pas grave. Le principal, c'est les points qu'on gagne. C'est quoi ça? Ok. Oh mince, dommage. J'aurais pu me taper du double point, des points sur du double point, ça aurait été intéressant. Allez, on ouvre, on explore encore un peu plus la map. Et on va aller... Ouais, c'est vraiment loin. Ah ok, donc fouiller la map, c'est juste ouvrir toutes les portes. Très bien. De toute façon, vous aurez un guide complet sur la chaîne YouTube très prochainement, donc dans la journée, je pense, logiquement, pour vous montrer un petit peu comment bien faire le début. Ok, là, il y a le truc de l'éther. Et logiquement, ah oh, il y a ça, très intéressant, le truc du boxeur, le nouvel atout. Et ici, on a la membrane dimensionnelle où on va pouvoir retrouver le pack-a-punch. Attends, what? Il est tombé, ouais, il est parti sur le côté, c'est vrai que c'est les mouvements des zombies... Attends, what? Ok. C'est vrai qu'il y a l'omni-mouvement. Je l'avais oublié, ce petit... celui-ci. Ok, on va essayer d'ouvrir ça. C'est quand même important de partir vers la dimension de l'éther. C'est quand même, on va dire, la principale chose. Ok, bon, j'aurais pu faire une deuxième boîte, en vrai. Munitions par ici, très bien. On explore un petit peu. T'es pas mort, hein. Il meurt jamais, hein. Ok, on fait un petit peu le tour. Ok, là on va... Ok, là on a une ouverture également. Très bien. 2200. On a un peu de mar... Waouh, waouh, waouh. Ok, il y avait une ouverture là, j'avais pas vu. Là, il y a du zombie. Je les avais vus pour le coup. Ah, il pop comme ça? Ok, par un nuage.
Intéressant. Ah. En vrai, ça va, ça régale en vrai le... C'est quand même pas dégueu. Ça aide quand même pas mal. Oh, la petite nuque, ok, très bien. Bon, elle m'enlève du point, mais c'est pas grave. On a juste ce qu'il nous faut pour passer dans la dimension. Alors, on va passer par cette entrée-là. On va passer par l'entrée principale. Oh, une plaque. Allez, récupère. Nickel. Ok, on entre par l'entrée principale, bien évidemment. Hop là, on ouvre et on arrive donc dans la dimension de l'éther ici. Incroyable. Franchement, cette zone, elle est dingue. Tellement elle est si... Alors, je sais... Là, il y a le pack-a-punch, donc. Y a... Ah, il y a du zombie ici, ok. J'ai... Oh non, c'est... Okay, c'est une manche spéciale. C'est une manche spéciale. Et là, ici, on a des araignées. Donc, je vais vous montrer, je vais vous faire un guide complet également pour savoir comment... comment enfin, avoir le mode arachnophobe pour ne pas avoir les araignées comme ça. En vrai, ce mode, il pourra vraiment être pas mal pour ceux qui aiment pas vraiment les bestioles comme celle-ci parce qu'elles sont quand même violentes, hein. Elles sont tellement violentes qu'elles sont appelées horreur par... elles sont catégorisées comme horreur hein, dans les jeux vidéo. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est quand même pas rien. Je vais mourir. Non, ça va. Ok, j'ai mes munes tranquillement. Bah, c'est plutôt pas mal en vrai. Ok, ça en recharge aussi. Ok. Combien alors? On va aller regarder un petit peu le pack-a-punch. Je crois que ça coûte pas si cher. Ah, c'est la première, c'est 5000. Ouais, c'est toujours aussi cher. Oh, attends, ça c'est pour... Attends, là il y a un trou en plus. C'est pour le secret, ça. On va aller récupérer une bonbonne qui... la bonbonne qui manque et on va venir la remettre ici pour remettre le générateur en marche qui va sûrement creuser un trou dimensionnel. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas ce qui va se passer dans l'easter egg, mais en tout cas, ça c'est nouveau. Ça n'était pas dans l'alpha. Allez, dégagez. Ouais, il est puissant le lance-roquette. On pourrait les faire tourner. Ok, ils vont tous spawn ici. Ça par contre, c'est pas mal. On va les faire un peu tourner. Et en vrai, on a découvert déjà pas mal de la map, hein, en réalité. What? Attends, quoi? Il m'a retourné le personnage. Ok, ah, il y a de la... Y a, c'est, je crois que ça s'appelle des vermines, ou je sais pas. Bref, il y a des araignées... Ouais, c'est un vermine. Ouais, ça m'a propulsé. Ok, il y a des trucs intéressants au niveau de la physique. C'est que ça m'a propulsé littéralement en arrière, le lance-roquette. Ce qui n'arrivait jamais à l'époque, hein. Oh, par contre, les coups de cut, ils sont cauchemardesques, ils sont tellement lents. Ok, on va en laisser quelques-uns, on va aller explorer un peu plus la map. Il y a quand même pas mal de points qu'on n'a pas regardé. Ok, par exemple ici, allez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on peut découvrir ici? Ok, il n'y a pas de maison là où on peut rentrer. C'est quoi ça? Je pense que... Il n'y a pas d'électricité. Ah ok, c'est le générateur, ok, qui va suivre son chemin, le générateur, ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a par ici? On va pas pouvoir ouvrir ici. Ok, il y a 3-4 zombies. Elle est quand même pas mal en vrai. Ça va, on aura des points. Au pire, si il faut aller plus loin. Ok, bah en fait, la map, elle est quand même assez close hein, en vrai. Hein. On croit que la map est très grande, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, non. Si on veut explorer, il commence à être un peu trop résistant, par contre, à mon goût. Ok... On va en laisser un dernier, normalement on a assez, parfait. Et on retourne au spawn là où je rêve. Ok, il y a Masto ici, très bien. Et encore, il y a tellement de portes à ouvrir, c'est un cauchemar. Là, il y a le... Ah, il faut entrer à l'intérieur. Wow, faut vraiment tout ouvrir, il y a tellement de portes ici, il faut ouvrir aussi. Non, ça va,